Salut tout le monde, c'est Moa, je suis accompagné d'Ulvind. Salut. Et puis bah écoute, on va vous présenter un run merveilleux sur un jeu génial sur lequel on n'aura jamais. Absolument jamais. Mario Kart 8 Deluxe 2017. C'est ça. J'ai eu un trou pendant une seconde. On va jouer en 200cc, je vais jouer Daisy. Qui est un personnage qui est particulièrement méta ces derniers temps. Avec le combo pas classique, Paragox Nelly, Roller Azur, elle en papier. C'est ça. On joue en 200cc. Avec mode normal et difficile. Et la particularité de ce run, c'est que les courses seront au hasard. C'est ça. Je ne choisirai pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la sortie des DLC, on a un nombre quand même assez conséquent de circuits qui sont arrivés. En l'occurrence, on en a 88 pour le moment. Au moment d'Interglitch, il y a moyen que ça passe à 96. Forcément, soit forcément. Un peu avant, soit un peu après. Ça, mais on. Mais en vrai, on a aucune idée de quel moment on sortira les derniers circuits. Ça. En clair, force à nous si le run est sélectionné et que le DLC est sorti juste avant. Quoi. C'est ça. Du coup, on s'est settled sur 16 maps, du coup. Donc 16 maps, ça fait un run d'une estimate d'environ 35 minutes. Ça devrait pas aller beaucoup plus haut à moins d'avoir une chance absolument désastreuse en termes de map. Alors, vu la chance que t'as eu sur ta run sur la run précédente que t'as enregistrée, je serais quand même assez méfiant. Le timing par rapport au moment où j'appuie sur OK, on va partir dans 3, 2, 1 et go. Et nous sommes partis. Alors, faut savoir que du coup le. Le random tracks, du coup, c'est un truc qu'on pratique beaucoup dans ma team de Mario Kart. Donc la suite des arts, on fait ça en 150cc avec 24 maps. On a commencé à faire ça au printemps quand j'étais en convalescence. Moi, je jouais dans mon coin, mais je pouvais pas streamer. Mais on s'était même fait un leaderboard entre nous parce que après, c'est une catégorie qui n'est pas officielle sur speedrun.com. Alors, en 200cc, notre meilleur ami, c'est littéralement le bouton de frein. Vous allez apprendre à appuyer sur le bouton de frein en 200cc, c'est le petit flop. Non, c'est pas grave. La perte de temps est. S'il n'avait eu encore une là, je pense que. Mais elle est skip. Ce jeu me déteste, c'est une constante. Mais après, on n'aura jamais sur jeu en tournant. Oui, non, mais de toute façon, ouais, on n'est jamais habitué. Oui, ok, très bien. La map, bon. Ça va, ça aurait pu être pire. C'est vrai que ça aurait pu être flipper Wallus. Ça aurait pu être Bois Vermeil. Alors, Bois Vermeil est dans ma course préférée de Mario Kart. Alors, Bois Vermeil est très bien. Il fait plus de 2 minutes. C'est ça. Bois Vermeil, c'est ma course préférée de Mario Kart profond. Alors là, ce qu'il fait, justement, c'est qu'à chaque fois, c'est obligé avant d'arriver à ce qu'on a fait du Grand Cycle. Grand Cycle. Relativement, c'est un peu de. Et que, à chaque fois, quand on fait un sort de ce qu'on
que bon, il y a un peu une inside joke entre Lynn et moi, c'est que je dis qu'il y a un script avec le klaxon qui toujours après script à bleu. Et c'est arrivé beaucoup trop de fois pour que ce ne soit pas une coïncidence. Dernier tour. Ou bon le bully qui est map de Mario Kart 7. Que je n'aime pas d'ailleurs. Online ça peut arriver mais comment la roue là. Ça veut dire que si on a des cadeaux des connes, ce qui arrive tout le temps. Oui bon. Le petit blue dodge. Les serveurs de Nintendo qui plantent, ce n'est absolument jamais arrivé, non? Oui, ça n'arrive jamais. Absolument jamais. Ok. C'est la map des pleurs. En fait, ça va surtout pas, en fait, ça permet d'apprécier les distances. En fait. Bon, j'ai pas fait la strat fleur parce que mon angle était un peu foireux. C'est un peu compliqué. En gros, ce qui se passe, c'est que si on arrive en drift justement sur la fleur, si on arrive en fait en biais, en drift justement sur la plante et qu'on relâche. Au moment où on arrive dessus. Là dessus hein. On a en fait on a un gros boost en fait mais essayez de le placer ici. Voilà. En 200 c'est difficile de négocier. C'est surtout difficile. Après il y a le gyroscope. Le gyroscope, carrément d'utiliser le gyroscope pour pouvoir négocier les virages du mieux possible et pouvoir sauver des runs. Ça a parfois sauvé des runs justement les gyroscopes. Traverser cette tour, c'est map rapide là. C'est move très rapide. Et suivant 8 minutes, un peu plus de 1010. Ça c'est map qui vient de Mario Kart Tour et qui a la particularité de changer de tracé à chaque tour. La particularité de tous les circuits Mario Kart Tour qui ont été rajoutés à Mario Kart Tour. Ce qu'il faut savoir, c'est que chacun de ces circuits a plusieurs configurations. Et chacune de ces configurations en fait, est légèrement différente, mais certaines se repoussent. Et c'est ce qu'on va voir justement. Plusieurs configurations. Là, vous l'avez déjà vu au tour précédent. Je vais faire ce qu'on appelle un disque. Ouais. C'est un peu mieux négocié, c'est que je vais pas prendre le tour. Est-ce qu'on va tenter. Est-ce qu'on tente le Sky Banane? Oh, dommage! C'est pas grave. C'est un peu. Donc, un disque, ça veut dire non-item shortcut. En fait, c'est bien d'éviter de faire un raccourci de la manière qui n'est pas entre guillemets prévu par le jeu, parce que le jeu a quand même prévu l'idée que ça puisse arriver. Et en général, 200 CC, ça se fait bah, juste en sautant, parce que bah,
on est tellement rapide qu'on se prend pas tout en fait. On n'est pas ralenti suffisamment fort par le tracé pour prendre le tremplin ou voilà, la rampe, tout ce que tu veux. Ouais, très bien. Ça va aller vite. Ça reste un bon circuit pour le coup, relativement rapide. Il y a une possibilité de laper les bottes, je sais pas. Que 0 n'existe pas dans la vie. C'est bon. Pas la meilleure. Pas le meilleur move. Hein. Le problème, c'est qu'on passe sur le 1031. Ça veut dire qu'on ne peut pas en récupérer. Bah voilà. La vue est totalement possible. J'ai relâché l'accélérateur pour justement être sur le zipper au moment où vous prenez la peur en fait. Improvisation. C'est ça. Improvisation, adaptation, évolution. Qu'est-ce qu'on a ici? Et je veux. Très bien. C'est map moyenne en termes de durée, donc en vrai c'est pas. Il y a des maps qu'on veut moins que d'autres. On peut éviter certains circuits. Je pense les circuits que vous pouvez appeler. Super Wadji. Super Wadji. 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 Wadji aussi. Cette section est très sinueuse. Les virages ils sont assez sinueux en fait sur ce circuit direct. Pas bug. Tout était prévu. Ah oui, ce qu'il faut savoir, vous avez remarqué. Vous avez remarqué quand on a été touché par les fers, l'enfant perdu. Dans la section data pad, la base section data pad se ferme. Tu peux noter qu'il y a été rajouté dans la troisième vague de l'année dernière, ça a un peu changé. Ça a un peu changé. Ah, c'est complètement cassé. Ça, le data pad se ferme plus si on se prend un éclair. Mais pour tous les autres items, le vis se ferme pas. Ce qui n'a pas complètement cassé le jeu, mais presque. Disons que ça a changé quand même pas mal de méta au niveau de l'utilisation des objets, notamment de l'utilisation de l'éclair dans les. Comment dire, dans les matchs en compétition. C'est ça. Ok, TikTok. Certes. C'est une bonne map, TikTok. Ça pourrait pire, ça pourrait pire. On n'a pas eu de map excessivement long dans le jeu. C'est des maps moyennes. On a eu que traverser Tokyo en map. Donc, on a 88%. 16 sur 88. Généralement, on a pas mal tombé sur une plate qui est à peu près moyenne. On vit dans le récit.
J'ai pas fait le dernier truc justement parce que ça m'aurait mis dans une mauvaise situation. Dernier tour. D'avoir un énorme boost de vitesse pour la fin. Mais je l'ai pas eu. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ok, très bien. La toute dernière course du jeu, du coup. Course à la propreté qui a été rajoutée dans le tout dernier DLC qui est sorti. Hier moi. D'ailleurs, la musique de cette map qui est un banger insoupçonné. Oui, d'ailleurs. Ça se passe. Ça. Ouais. Quelque chose qu'en jouant d'avoir la carte, t'as pas beaucoup l'habitude de voir. C'est un circuit qui est extrêmement tortueux, c'est un circuit qui est relativement compliqué à négocier, oui. Voilà, le circuit est sorti il y a juste un mois, donc il est assez compliqué à appréhender parce que j'ai pas beaucoup joué pendant l'été, du coup. Ça va pas, bon. Oula, c'est... Le shitstorm. Là, c'est la Vérédina, là. Le shitstorm. Azerailed. Je vais à chaque fois que c'est un gauche, ensuite en droite, et pas l'inverse. Ok, ça devrait mieux se passer dans ce département. Factuellement plus rapide. Non, on va attendre justement de. Je prends l'item pour être sûr d'avoir une protection. C'est la 8ème. Du coup, pouvoir mes speed en fait, bah, du coup, vu que. J'aime bien ses limites. J'ai pas eu le geyser, mais c'est pas grave. J'ai fait mes speed cap map par cap map plutôt que chaque map parce que du coup, sinon c'est un peu biaisé. Parce que suffit d'avoir une map genre Park Baby pour avoir un speed imbattable. C'est ça. Donc sur cap map, ça équilibre. C'est ce que j'ai choisi personnellement, je pense que Elvin aurait probablement fait pareil. BX Crépuscule, qui était l'une de mes courses préférées de Mario Kart Super Circuit, qui s'est fait démolir de Mario Kart Super Deluxe. Ce qui est dommage en vrai. En fait, le problème c'est même qu'il y a de la physique du désert. Il y a certains virages qui sont assez sinueux, notamment cette succession de chicanes. Donc là on fait qu'un seul trick parce que justement c'est beaucoup plus rapide. Là, ça se joue. J'ai paniqué. Vous pouvez le voir que sur certains virages, je m'assois littéralement sur la France. J'ai plus la carte à verte à ma droite. Il n'y en avait plus là. Oula, ça fait peur, hein. Ça fait peur.
En fait, tu vas à 15 minutes de luxe, t'as pas envie d'être dans le trafic. Et quand je dis que t'as pas envie, c'est t'as vraiment envie. L'ordinateur, comment ça appuie sur le bouton ZL. C'est ça. Bon, c'est pas hyper bien passé, mais c'est ok. Oh bah. Voilà. Ça devait arriver. On parlait des courses sur lesquelles il fallait pas tomber. Et bah, Bois Vermeil, malgré que ce soit. Ma course préférée all time. Malheureusement, c'est une course qui est plus. Oh, très bien, tu champignons. Je vais le cramer dans la zone avec les réglers. Parce que c'est mon endroit là-bas. En plus, c'est une course qui est extrêmement sinueuse. On a beaucoup. Appuie sur le bouton B. Notamment le droite qui se présente juste ici là. Oh, on s'essayant sur le frein. Et même en passant sur le frein, j'arrive toujours pas à le passer quoi. Parce qu'il est chiant. J'ai pas énormément de. Ici très clairement on va montrer à. Il va se poser des questions, il va juste aller. C'est gratuit, hein. Oh. Je l'ai eu. C'est pas hyper bien. C'est pas bien. Le champignon c'était vraiment trop en dehors de la fête, je puisse les récupérer. Le blooper c'est le pire et meilleur de son, c'est pas ça. Pas mal. Être canon, c'est les développeurs qui ont compris que la mauvaise tournée. Oui, bien sûr. En vrai, c'est dommage, je voulais que le glitch soit pas ici parce que ça m'aurait aidé à bien négocier les rushs. La map c'est plutôt bien passé. Ça va, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être mieux, mais ça aurait pu être pire. Bon, c'est un peu lourd, moi. Et pour compenser, on va avoir par baby. Je vais pas regarder sur mon bébé d'ailleurs. C'est pas la map la plus longue, mais c'est pas la map la plus courte non plus, donc en vrai ça va. Par bébé en plus, qui est une map un peu spéciale, du coup, c'est une map qui n'a qu'un seul tour. Enfin, qui n'a même pas de tour en fait, c'est juste une énorme descente que nous avons à l'époque. Il devait donner lui à plusieurs tailles d'ailleurs en contre la montre. Taille avec 9. C'est ça, taille 8, pardon. Non, on reverra plus loin ça.
Et bonjour à Cocorico du 44 sur le chat, bienvenue. On va perdre un peu de temps sur ce split, mais bon. On a eu bois fermé. On a eu bois fermé. Donc, pas trop faire autrement. En plus, on a Gouda, donc Gouda c'est map un peu long aussi. C'est sûr que c'est une map extrêmement souple. Et qui glisse. Parce que c'est que ça. Que les maps déserts. Voilà, voilà. C'est des maps qui étaient très très joués en compétitif maintenant, mais qu'on voit plus si souvent que ça. Chou notamment. Mario Kart ça a changé, c'est pour ça. Il est gratuit, hein, même en sous-apprenti. Oula, alors. Non. Au tout début. Le troisième segment, j'avais eu Tokyo et Extra Bag de temps. Sans pépi. Oui, l'estimé était large. L'estimé était large pour cette raison. C'est-à-dire que vraiment on peut se taper les pires circuits possibles. Là on peut très bien tomber sur Flipper Rolodji là en fait. J'ai voulu voir si je voulais si je mettais Jinx mais ça va. Mario, c'est une map qui, dans le virage, est assez sinueux. Les chauves-souris, elles arrêtent net. Donc là, la config est plutôt ok. C'est rien, c'est la Malek. La base à laquelle on a été frappé. Ouais non. Ah, bon alors on a. Oh, tiens, merci. Non mais ce jeu peut-être c'est une constante. On n'est pas passé loin de Peach de Rose qui nous dépassait pour le coup. Ouais, c'est ok. C'est ma courte.
Il est gratuit. Pas grid. Oh, non, pas grid. On va garder pour la raison très simple, c'est que si jamais la lune arrive, parfaitement bien que la suce, on manque quand même pas mal de pièces. On n'a pas parlé des pièces. Ce qu'il faut savoir avec les pièces, c'est que chaque pièce que vous recevez va vous donner donc, un petit peu de vitesse par rapport à si vous en avez 0. Le niveau de vitesse est environ 0,4, 0,5. Par pièce, sauf à nous par une pièce que vous allez faire en plus de 5%. J'aurais le coup. Ce temple tombe, ça passe pas très bien. Là. Encore deux maps. À voir ce que le jeu va nous proposer. Valais, ça va, ça aura plus pire. Valais aussi qui est une map qui met le pathfinding du jeu en lambeau. C'est vrai que la bleue a tendance à un peu galérer. Quand on utilise un coup de balle, ça nous fait prendre un chemin forcément plus optimal. Et la bleue prend même. Exactement. En fait, le jeu a envie de se dire « Ah bah lui c'est faire le bon chemin pour pouvoir. » Donc bah, je pense que je travaille pour ce qu'il va faire. Le petit... Il est gratuit. Lui. Alors cette ligne d'item là est complètement buggée, mais ça va. C'est totalement possible d'attraper des éclairs en beaucoup. Oh, 3 éclairs en une item, c'est arrivé à personne, non? C'est pareil. C'est absolument basé à ce que c'est plein de kills qui a fait le tour de la communauté d'intervention de la map. Alors mon bébé est fini maintenant. Un petit XM bike peut-être, non, je sais pas. Ouais, moi je dois un petit coup à police. Franchement, j'achète. Ah, ça fait gueule. Pareil, c'est un circuit relativement court. Ah, je l'aime tellement pas, c'est pas fou. Bon, quand le jeu veut pas, il veut pas enregistrer.
Donc spam du ZL, un classique. Time. Ce que j'avais pensé en termes de teammate, enfin en termes de fin. Voilà, le raid est plutôt correct. Pas mal. C'est Mario Kart. Donc voilà, bah c'est... Parce que bon voilà, le DLC est sorti il y a pas longtemps, donc en plus on a des maps du DLC. Ce qui permet en plus de voir des maps qu'on va pas passer souvent que ça en plus. Donc bon... J'espère que ça sera ok. Et puis bah merci à tous d'avoir regardé, et puis je vous dis bah à bientôt, ciao!